fatte buona. Prions. Waomba. Bienveillant Père Céleste, il est doux, il est agréable de rassembler les aiglons sous la fraîcheur de ta présence. Et nous voici ce soir. Nous sommes là, Père. Viens Jésus, prends la prééminence de la chair jusqu'à la dernière personne. Bénis-nous Seigneur, bénis le pasteur Ben, bénis ses collaborateurs, bénis l'assemblée. Nous nous remettons à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour déchirer. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Que l'avantage, celui qui travaille, retire-t-il de sa peine? Je vis à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il y a du bonheur pour eux à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange, boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Qu'il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on les craigne. Ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Nous vous prions de vous asseoir. Nous vous saluons ce soir dans les précieux noms de Seigneur Jésus-Christ.
Et nous remercions l'Éternel Dieu pour se retrouver à Bethel. Et nous voulons dire merci au pasteur Ben. Et pour ce soir, il nous a accordé la confiance. Et il nous a cédé sa chair. Et nous n'allons pas abuser de cette reconnaissance. Que Dieu le bénisse richement. Amen. Nous allons partager avec vous un message que nous intitulons « Les vestiges d'une autre civilisation ». Le pasteur venait de me rencontrer tout à l'heure de l'événement qui s'est passé là à Smyrne. Et à l'époque de ce temple que Polycarpe avait bâti, et lorsqu'il y a eu la destruction, la seule chose qui était restée, qui a résisté, c'était le temple de Polycarpe. Comment on se demande pourquoi simplement ce temple-là? Alors qu'il était le disciple de Jean, et c'était merveilleux. Et vous comprenez que même les choses que nommé touchent résistent. Si vous êtes un loin de Dieu, même les choses que les mains touchent résistent. Ce tabernacle construit par les mains d'hommes ça peut résister à la destruction. Et parlant de vestiges, qu'est-ce que c'est que cela? Que signifie le vestige? Le vestige, c'est une partie ou le reste de quelque chose. Une partie ou le reste de quelque chose. Prenons l'exemple comme ce temple-là qui a résisté à la destruction. Et les gens font des voyages pour aller visiter. Et quand les touristes ou les guides racontent l'histoire, il montre le temple comme vestige. Parce que c'est le seul qui a résisté à la destruction. Donc, le vestige, c'est juste une partie ou reste de quelque chose demeurant après les dommages du temps ou la destruction humaine. Ainsi, nous voulons raconter l'histoire de Frère Branham. Nous prenons dans le quatrième saut, paragraphe 92, 93, 94. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé à quelqu'un qui essayait d'argumenter avec moi en disant, vous n'avez pas honte de dire que Dieu a créé le ciel et la terre en trois jours. Ou en six jours. J'ai dit, c'est ce que la Bible dit. C'est un dialogue que Frère Branham a eu à voir avec un scientifique. Et il a dit, eh bien, on a deux preuves qui démontrent que le monde existe depuis des milliers d'années. J'ai dit, ça n'a rien à voir. Dans Genèse 1:1, donc Frère Branham prend Genèse 1:1, lorsque nous allons dans Genèse 1:1, nous voyons la vision de Moïse. Parce que Moïse n'était pas là au commencement. Il est venu des milliers d'années après. Et c'est là qu'il a reçu la vision de ce qui s'était passé au commencement. Parce qu'il avait en lui les dons des prophètes. Un prophète, il voit avant, il voit le présent, il voit aussi le futur. Maintenant, il nous dit, il va écrire ses paroles. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et c'est ce que Frère Branham a pris pour essayer de convaincre le scientifique.
Et Frère Branham ajoute point. Bien que dans la lecture, il y a déjà un point. Et Frère Branham ajoute, il dit point. Je lisais un rabbin juif qui a parlé au sujet de la Genèse. Il dit que lorsque vous lisez les livres de la Genèse, il faut faire attention. C'est un livre codifié. Il dit là où vous trouvez les points, vous trouvez les exclamations, vous trouvez des points, points, points. Cela cache un message. Et quand je suis revenu dans le message et que j'ai vu Frère Branham dire point, et vous remarquerez, il y a une exclamation. C'est tout. Frère Branham insiste, dit c'est tout. Il dit, voyez-vous, or la terre était informe et vide. Lorsque vous lisez dans le deuxième verset, la Bible dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est ça le deuxième verset. Maintenant, Frère Branham prend ce deuxième verset. Il va maintenant expliquer quelque chose. Il dit, or la terre était informe et vide. Et j'ai dit, je crois que toutes les semences étaient déjà là, vestiges d'une autre civilisation ou quelque chose. Alors Frère Branham vient utiliser le mot vestige en lisant, en nous interprétant les livres de la Genèse au deuxième verset. Mais pourquoi le mot vestige alors que nous venons de donner le sens à ces mots, que c'est le reste, donc une partie qui a résisté. Ce sont les résistants. Après les dommages, après les destructions, après bataille, après guerre, après combat, ceux qui ont résisté, qui n'ont pas perdu leur vie, on les appellera dans la génération suivante que ce sont les vestiges, les résistants. Les gens qui peuvent résister à n'importe quelle bataille. Amen. Voyez-vous, Frère Branham dit que je crois que toutes les semences étaient déjà là, vestiges d'une autre civilisation ou quelque chose. Maintenant, en parlant de vestiges, cela ne concerne pas le commencement. Parce que Frère Branham, dans sa vision, il a utilisé le mot vestige. C'est qu'il y a eu une période avant le commencement. Et c'est dans cette période qu'il y a eu bataille. Et lors de ces combats, il y a eu les résistants. Les résistants. Les gens qui n'ont jamais fléchi les genoux. Les vainqueurs. Les gens qui n'ont jamais accepté les mensonges de Lucifer. Amen. Alléluia. Voyez-vous, mes frères et sœurs, et ce soir, nous voulons voyager et aller dans une autre civilisation. Mais cette civilisation est déjà passée. C'est pourquoi Ecclésiaste déclare ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été. Même la réunion de ce soir, ça déjà eu lieu. Oh my! Alléluia. La réunion de ce soir, même la veste que tu portes, même la cravate que tu as, même la robe que tu portes, ça a été déjà porté. Ce soir, ce n'est qu'une répétition.
Je connais. Je connais. Même si tu as n'importe quelle situation, les gens qui sont débloqués sont déjà comptés. Les gens qui doivent recevoir la guérison sont déjà connus. Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Dieu ne fait que ramener ce qui est déjà passé. Frère Branham, si vous allez à dire à Jésus ce soir, guéris-moi de ma maladie, il te dira, je ne puis le faire. Parce que Jésus ne guérit pas le soir. Jésus ne délivre pas ce soir. Mais il a déjà fait dans le passé. Qu'est-ce que tu dois faire? Ramener le passé et tout ce monde vont jubiler. Vont dire gloire à Dieu. C'est pourquoi ce soir, notre inspiration, c'est Dieu qui ramène le passé, le vestige d'une autre civilisation. Amen. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Madame dit ceci. Plutôt, la Bible dit ceci. Nous avons trois mondes. Hein? Trois mondes. Le monde antédiluvien, le monde présent et le monde à venir. Nous sommes dans le deuxième monde. Mais il y a un autre monde qui vient. Vous êtes ensemble avec moi. Mais selon Ecclésiaste, ce qui sera a déjà été. Ce qui est a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Nous voulons ce Dieu-là au milieu de nous ce soir. Pas un Dieu historique, mais un Dieu qui peut se matérialiser au milieu de nous et confirmer le message, que ce message, ce n'est pas une utopie, ce message, c'est une puissance, c'est une onction, c'est une vie réelle, mes frères et sœurs. Le temps est fini. Où nous devons trop raconter les histoires. Mais où est le Dieu de William Branham? Où est le Dieu de Ben Bilombe? Est-ce que son Dieu est réel? Si ce Dieu-là est réel, nous devons le vivre ce soir. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant écoutez. Le monde antédiluvien, c'est le monde qui a été détruit par le déluge. Et nous habitons le deuxième monde. Un jour, l'homme Jésus est descendu sur la terre et il nous a dit, vous n'êtes pas de ce monde. Nous sommes les habitants de notre monde. Mais il s'agit de quel monde? C'est le troisième monde. Il a dit, oh Dieu, je te prie, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais je te demande de les garder, car ils ne sont pas de ce monde. Comme moi, je ne suis pas de ce monde, et aussi, ils ne sont pas de ce monde. Alléluia. Je ne crois pas que vous êtes des bougnats. Je ne crois pas que vous êtes des bougnats. Vous êtes spécial. Je suis spécial. Le pasteur est spécial. Les hommes de Dieu sont spéciaux. Oui, changeons notre manière de croire. Que nous ne sommes pas de n'importe qui. Amen. Amen. Le vestige d'une autre civilisation. Allons rapidement. C'est juste une introduction. Amen. Amen. Maintenant, vous vous demandez, mais quand est-ce qu'il y a eu civilisation? Non, je parle de jeunesse. Je parle d'une période avant la jeunesse. Ce qui avait déjà un monde. Il y avait déjà une réalité. Nous lisons dans Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse 12 déclare ceci. La Bible dit ceci.
La Bible dit ici, Biblia nasema hapa, Apocalypse 12, Ufunuo sura 12, okay, verset 7. Saba. Il y a guerre dans le ciel. Kukakuwa vita binguni. Où? Wapi? Dans le ciel. Binguni. Ce n'était pas sur la terre. Duniani. Il y a guerre kulikuwa dans le ciel. Binguni. Oh, gloire à Dieu. Tufu kwa Mungu. Il y a guerre dans le ciel. Vita binguni. Michel et ses anges combattirent contre les dragons na joka. Et ses anges. Na wamaleka donc la bataille engageait deux équipes. Vita kundi mbili. Il y avait l'équipe de Michael. Kundi ya Mikaeli, et il y avait l'équipe na de kundi dragons. Ya joka. Mais qui est dragon? Joka basi konani? Lorsque Dieu a créé, wati Mungu aliumba, il avait des niveaux. Kulikuwa na viwango. Il y a eu des niveaux. Kulikuwa na viwango. Il a commencé depuis l'éternité. Alianza tangia umilele. Et dans cette éternité, na umilele, il avait des niveaux. Kulikuwa na viwango. Il a commencé à descendre. C'est toujours Dieu. Iko tu Mungu, eh? C'est toujours éternel. Iko tu umilele. Il a pris la forme de la création. Il s'appelait lumière. Alikuwa anaitwa nuru. Logos. Logos. La colonne de feu. Et quand il est devenu Logos, c'est toujours lui. Mais il a porté un corps. C'est un corps lumière. Et quand il entre dans un corps lumière, c'est à ce moment-là qu'il commence encore à s'abaisser. Il commence à s'abaisser. Donc il a des escaliers. Vous êtes ici ensemble avec moi. Et à un moment donné, il a créé Lucifer. Qui est Lucifer? C'était l'ange de lumière. Il était le bras droit de Dieu. Je vais lire Frère Branham. Il était le bras droit de Dieu. Il était couvrier avec Dieu. Je n'ai jamais créé Satan. Je n'ai jamais créé le diable. Non. Mais votre Dieu, il a créé Lucifer. Lucifer, c'est celui que Dieu avait créé. Mais le diable, c'est quand Lucifer est devenu opposant à ce que Dieu est. C'est à partir de ce moment-là qu'il est devenu Satan. Satan qui veut dire Antichrist. Qui veut dire amen à la parole? Antichrist. Voyez-vous, mes frères? Oh, lisons quelque chose. Frère Madame dit ceci. Dans la prédication, qui est Samuel qui s'est déclaré? Frère Madame dit ceci. 46, 47, 48. Il dit, eh bien, au commencement, Dieu habitait seul. Donc ça, c'est notre commencement. Parce qu'il y a plusieurs commencements. Du commencement au commencement. Amen. Hein? Il dit, au commencement, Dieu habitait seul avec ses attributs. Il était seul, mais avec ses attributs. Au commencement, comme j'en ai parlé ce matin, ce sont ses pensées. Ses attributs, ce sont ses pensées. Il n'y avait rien sinon Dieu seul. Mais il avait des pensées. C'est comme un grand architecte. Il peut réfléchir et dessiner dans son esprit ce qu'il pense. Il dit c'est construire ou créer, c'est construire ou créer. Voyez-vous, il doit avoir d'abord la création de la pensée. Donc, c'est construire ou créer dans son esprit. Or, il ne peut pas créer. Un architecte ne peut pas créer. Ah, ne confondez pas les choses. Il peut prendre quelque chose qui a déjà été créé et lui donner une forme différente. Parce que Dieu est le seul moyen, le seul qui peut créer. Mais il imagine ce qu'il va faire. Ce sont ses pensées. Ce sont ses désirs. C'est donc une pensée. Quand il exprimait, c'est alors une parole. Une parole, une pensée. Lorsqu'elle exprimait, c'est une parole. Une pensée exprimée,
est une parole. Mais cela doit être premièrement une pensée. Ainsi, ce sont les attributs de Dieu. Puis cela devient une pensée. Ensuite, une parole. Remarquez ceux qui se soient, ceux au pluriel, ceux qui se soient ont la vie éternelle. Était avec lui et en lui. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Qui peut dire gloire à Dieu? Amen. Ceux qui ont la vie éternelle ce soir étaient avec lui et en lui. Amen. Alléluia. Amen. Écoutons ce que Frère Branham dit. Était avec lui et en lui, dans sa pensée, avant qu'il y ait un ange, avant qu'il y ait une étoile, avant qu'il y ait un chérubin, ou quoi que ça soit d'autre. Ça, c'est l'être éternel. Et si vous avez la vie éternelle, vous avez toujours existé. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je sais que l'eau va s'agiter. Je sais que Dieu va faire des choses. Je sais ce que Dieu fait. Amen. Ceux qui ont la vie éternelle ce soir étaient avec lui. Même. Voyez-vous, mes frères? Gloire à Dieu. Avant l'étoile. Avant un ange, avant les chérubins, oh Lucifer, c'était un chérubin protecteur. C'était un chérubin protecteur. C'est un ange, mais il est chérubin du premier classe. Mais ici, frère madame dit, ceux qui ont la vie éternelle ce soir ont été avec lui, même en lui. Amen. Ah, je me sens très bien. Je commence maintenant la prédication. Satan est venu après. Il a été même créé après. Et quand il fut créé, il a été élevé dans un rang. Il maîtrisait tout. Sauf une seule loi, c'est la loi de la création. Il peut tout faire comme Dieu. Mais il y a une seule chose que Satan ne serait jamais en mesure de faire, c'est de créer. C'est pourquoi Frère Branham dit, Jeannès et Jambres, ils avaient la capacité de jeter les mauvais sorts sur les gens, mais ils n'ont pas la capacité de les récupérer. C'est le serpent de Moïse. C'est le serpent de Moïse. Vous pouvez récupérer. Voilà pourquoi ce soir, ton Dieu, ta ouaire d'une huile de joie au-dessus de tous les habitants de Bounia ici. Amen. 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 Maintenant, écoutez ceci. Écoutez ceci. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Écoutez, Frère Branham. Dans les sceaux de l'Antichrist. Paragraphe 17. Si vous remarquez, juste quand Jésus est venu sur la scène, Judas est venu sur la scène. L'Antichrist, celui qui était contre Christ. J'aimerais donc que vous fassiez attention au natif des esprits. Judas, lui, était un homme religieux. Il n'était pas un incroyant. Mais nous savons tous qu'il était l'Antichrist. Il travaillait de plus près de Christ. Il était son bras droit.
Savez-vous qu'au ciel, au commencement, le diable était le bras droit de Dieu? Mais savez-vous que le diable était le bras droit de Dieu? Que Lucifer, le fils de l'aurore, avait reçu la puissance. Il a reçu la puissance de qui? De Dieu. C'est ce qui, au commencement, a provoqué tous ces ennuis. Alors, Dieu, bien avant que la fondation du monde ne soit posée, quand il vit ce que Satan avait fait, il dit, dans son orgueil, il s'en alla vers le nord établir et il combattit contre Michaël et ses anges. Ce qui me réjouit, regardez bien que la bataille n'engage pas Michaël seul. Que la bataille n'engage pas les dragons seuls. Il y a Michaël et ses anges. Il n'est jamais seul. Donc, la bataille n'a jamais été livrée par une seule personne. Mais la bataille, le chef de l'équipe, c'était Michaël, mais avec ses anges. Et les dragons étaient le chef de l'équipe de l'autre côté. Il n'était pas aussi seul, mais aussi avec ses anges. Lors de cette bataille angélique, je me sens religieux ce soir. Lors de cette bataille angélique, avant la fondation du monde, je vous dis avant la fondation. Je ne suis pas encore né. Tu n'es pas encore né. Mais il y avait déjà la bataille. Au moment de ce combat, il y a eu quelques étoiles. Il y a eu quelques anges qui n'ont jamais fléchi les yeux devant les mensonges du diable. Le diable a prêché. Il a prêché. Et il sentait une résistance. Ça n'entre pas. Ils ont résisté. Et ils ont dit, je m'arrange du côté de Michaël. Je vais combattre avec Michaël. Ce sont ces gens-là que William Branham appelle les vestiges d'une autre civilisation. Amen. Et ce soir, ces vestiges sont dans la réunion. Ces vestiges sont dans la réunion. Ces vestiges sont au milieu de nous ce soir. Alléluia! Gloire à Dieu! Merci Seigneur. Écoutez la suite. Écoutez. Verset 8. Mais. Attention avec mais. Écoutez la suite. Mais ils ne firent pas le plus fort. Qui? Nani? Lucifer. Satan. Shetani. Le dragon. Joka. Le diable. Shetani. Le serpent ancien. Ils ne firent pas. Abaku. Ils ne firent quoi? Abaku. Ils ne firent pas. Abakuwa. Le plus fort. Nguvu zaidi. Maintenant, qui firent les forts? Nani alikuwa na nguvu basi. Est-ce qu'il y avait le fort là-bas? Est-ce qu'il y avait le fort là-bas? Est-ce qu'il y avait le fort là-bas? Oh, je sens sa présence. Est-ce qu'il y avait le fort là-bas? Je crois ce soir qu'il y a des forts dans la réunion. Alléluia. Amen. Écoutez. Ils ne firent pas le plus fort. L'histoire est finie. La bataille est finie. La victoire est remportée. Depuis quand? Avant la fondation du monde. Amen. Écoutez, frère Branham. C'est Lucifer qui est le bras droit de Dieu, le fils de l'aurore. D'abord, Dieu lui avait accordé presque d'être co-ouvrier. D'être co-ouvrier avec lui.
Qu'on ouvriers se travaillaient ensemble. Parce que quand vous lisez Ézéchiel, la Bible dit que c'est lui qui mettait les seaux à la perfection. Quel travail! Donc quand Dieu finit, maintenant à la fin, le travail de Satan, c'est de prendre les seaux de Dieu. Il vient, il pose. Il avait un travail noble. Dieu lui avait accordé d'être couvrier avec lui. Il était couvrier. Il lui était partiellement égal. Sa jeune. Il lui était partiellement. Donc c'est-à-dire en partie. Il était quoi? Partiellement égal à Dieu. Tu dois avoir les deux pierres sur terre. Quand tu te retrouves dans le champ, tu dois savoir ce que tu dis. Sinon les démons vont te défier. C'est un homme dit, faites attention avec l'Afrique. Vous êtes ensemble avec moi. Tu dois être mandaté. Tu dois avoir la commission. C'est la commission qui va faire le travail. Voyez-vous, mes frères et sœurs, quelqu'un qui était co-ouvrier avec Dieu. Mais à la différence, écoutons, frère madame, il dit à la seule différence que Satan ne pouvait pas créer. Alléluia. Dieu est le seul créateur. Mais Satan a pris quelque chose que Dieu a créé et l'a perverti en quelque chose d'autre faux. Amen. Maintenant, qui est Michael? Je m'avance rapidement. Qui est Michael? Lisons, frère Branham. Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 543, 544 et 545. Remarquez dans les derniers jours, Lucifer est en train d'agir comme il a fait au départ. Qu'est-ce que Lucifer a fait? La première chose que Lucifer a faite pour briser la communion entre Dieu et l'homme fit qu'il chasse et qu'il chercha à lui bâtir un roi. Il mit un royaume plus grand, splendide et apparemment plus civilisé. Un royaume plus grand que celui de Michael, Virgile, Christ. Qui est Michael? C'est Christ. Amen. Qui est Michael? C'est Christ. Amen. Qui peut dire Amen? Amen, amen, amen. Qui peut dire gloire à Dieu? Qui peut dire merci Seigneur? C'est merveilleux ça. L'avez-vous saisi? L'Assemblée dit Amen. Amen, amen. Il dit maintenant, si vous n'avez pas saisi, levez votre main. Je vais le répéter. C'est que c'est important. Je vais le répéter. Voyez-vous. Au commencement, Lucifer avait donc dans son cœur l'intention de réaliser au ciel une chose plus glorieuse et plus brillante que ce que Christ a fait. Hein? Que c'est que Christ a fait? Donc Michael ici, c'est Christ. Ésaïe chapitre 37, verset 16. Écoutons ce que disent les Écritures. Éternel des armées. L'Éternel des armées. S'il est l'Éternel des armées, c'est qu'il a son armée. Son armée n'est pas terrestre. Mais son armée est céleste. Alléluia. Qui est l'Éternel des armées? Le Dieu d'Israël. C'est que le Dieu d'Israël, c'est l'Éternel des armées. Assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu. Le Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Qui a fait le ciel et la terre? L'Éternel des armées. Le Dieu d'Israël. Oh, le Dieu d'Israël.
C'est votre Dieu. C'est le Dieu que Branham a apporté. C'est le Dieu que ton pasteur apporte ici. Et qui est ce Dieu-là? C'est Christ lui-même. Qui est Michaël? Est-ce que vous voulez connaître qui est Michaël? Michaël, c'est toujours Dieu quand il prend la forme de la bataille, quand il se décide d'attaquer, il devient Michaël. Et quand il devient Michaël, il n'est pas seul, il a une armée qui l'environne. Et cette armée, quand il débarque, quand cette armée débarque, aucun esprit, aucune puissance, pas même les ténèbres ne peuvent résister devant cette armée-là. Écoutons frère Branham, convaincu puis concerné. Paragraphe 68. Eh bien, Ève n'avait pas totalement convaincu que la parole de Dieu était vraie. Si elle l'était, elle n'aurait jamais écouté le raisonnement que Satan lui a présenté. Il y a deux grandes batailles. La première a été livrée au ciel. Satan a été bouté dehors. Dieu est un vaillant soldat. Ça c'est ton prophète. Ton Dieu est un vaillant soldat. Nous n'avons pas un Dieu. Quand l'ennemi attaque, il croise les bras. Nous n'avons pas un Dieu. Quand nous sommes attaqués par les problèmes, il croise les bras. Nous n'avons pas un Dieu. Quand nous plairons, il se réjouit. Mais le Dieu que je vous prêche, c'est un Dieu. Quand l'ennemi attaque, il s'élève. Il prend la veste des soldats. Il commence à descendre. Quand il ouvre le ciel, faites attention. Il descend. Avant qu'il ne touche la terre, le diable est en train de fuir. Le diable est en train de fuir. Les esprits sont en train de quitter. Les esprits sont en train de quitter. Ils sont en train de partir. Alléluia. Merci Seigneur. Un jour, quand il était dans la chair humaine, le réveil de l'autre côté, il devait aller tenir le réveil de l'autre bord de la rive. Il est descendu. Les disciples sont partis. Témoignage amen. Vous avez vu ce qu'il a fait? Il a même ressuscité les morts. Ah, j'ai beaucoup de choses ici. On a le temps. Il a ressuscité même les morts. Ils étaient contents. Témoignage amen. Frère Branham dit, tous les démons des eaux se sont levés. Ils ont regardé. Il n'était pas là. Ils se sont levés. Ils se sont levés. Ils vont finir avec ces gens. Qui t'a menti? Qu'il va finir avec toi. Satan. Finir avec un fils de Dieu. Non. Je dis N-O-N. Il est venu. Il est venu marchant sur les eaux. Qui peut dire amen à la parole? Maintenant la Bible dit quand ils arrivaient de l'autre côté, il n'a pas chassé les démons.
Mais les démons eux-mêmes ont commencé à parler. Fils de Dieu, qu'y a-t-il entre toi et nous? Pourquoi es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Le diable connaît qu'il a un commencement et il a une fin. La maladie là a un commencement et là une fin. Le problème là a un commencement et ça a une fin. Ce soir, Léo, ce soir, bloquez les fenêtres, bloquez les portes. Personne ne doit sortir avec le fardeau. Personne ne doit sortir avec la maladie. Ce soir, si le Dieu de Branham est vivant, s'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, toi, maladie, je t'ordonne, allez dans les cochons. Je t'ordonne, allez dans les cochons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? L'Éternel des armes est dans le bâtiment. Il a dit, je ne vous laisserai jamais. Oh Bethel, il vous dit, je ne vous laisserai jamais. Je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous. Vous ne voyez pas le changement de la scène. Je serai avec vous. Mais là-bas, nous étions avec lui. Ici sur la terre, c'est lui qui vient. Il est avec nous. L'histoire se répète. Inarudilia. Ah, que Dieu vous bénisse. Bariki, amen. Mettez-vous debout, que Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Louez l'Éternel. Louez le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Amen, 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 amen. Frère, sa présence est là. La colonne de feu n'a pas voyagé avec Frère Branham. Mais cette colonne de feu est dans la réunion ce soir. Cette colonne de feu est dans les bâtiments ce soir. Je voudrais te dire ce soir, pour terminer, nous avons le temps. Deuxième déclaration. Ils ne firent pas les plus forts. Et leur place ne firent pas trouver au ciel. Amen. Amen. Qui a compris? La place de qui? De Lucifer. Et ses anges. C'est pourquoi quand je lisais le livre de la Genèse, je me demandais toujours comment les ténèbres apparaissent avant la lumière. La terre était informe et il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. La Bible était déjà là. Les ténèbres étaient déjà là. J'ai pris les lunettes. Parce que le message, c'est les lunettes. Quand vous prenez les lunettes, c'est pour lire la Bible. Il ne faut pas lire dans les lunettes. Mais il faut prendre les lunettes et lire la Bible. Et les lunettes, c'est le message de l'heure. Qui peut dire amen à la parole?
C'est ce message que je te prêche. Lorsque vous prenez les lunettes, vous lisez Genèse, vous voyez maintenant que l'abîme là, les ténèbres là, c'est l'enfer. Cela a été créé par Dieu lui-même. Après le combat, il les a chassés du ciel. Mais il devait créer leur territoire. Il a créé les abîmes et il les a jetés dans ces abîmes. Frère Branham a dit, l'abîme, l'enfer n'a pas été créé pour le Fils de Dieu, mais ça a été créé pour Satan et ses anges. Et quand Dieu les a chassés, Branham dit dans l'unité, c'était une masse de ténèbres, c'était un royaume de ténèbres. C'était un royaume de maladies. C'était un royaume de problèmes. Ils descendaient et ils se sont arrêtés pour déranger le programme de Dieu. Mais les semences qui étaient dans le sol, Dieu les protégeait. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Pourquoi l'Esprit de Dieu? Parce qu'il y a les semences. Là où il y a les semences, l'Esprit de Dieu move. L'Esprit de Dieu move. C'est pourquoi je crois que dans la réunion ce soir, il y a des semences ici. C'est pourquoi cet Esprit est au milieu de nous. Et là où est Dieu, il y a des preuves qui prouvent qu'il est là. Amen. Il y a des preuves qui prouvent qu'il est là. Hier, aujourd'hui, à jamais. 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 Jésus ne change pas. Hier, il bénira aujourd'hui, il bénira demain. Alléluia. Et hier aujourd'hui à jamais, hier aujourd'hui à jamais. Je n'ai rien ajouté. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux pour protéger les semences. Et Dieu est en train de se mouvoir ici pour protéger ses semences. Il est présent. Il est ici ce soir. Le Dieu des dieux. Tu peux lui parler comme tu veux. Parle au Seigneur. Amen.
Banguna babanzana kolo atelema be banguna babanzana kolo ele mawa e kolo atelema be banguna babanzana kolo Banguna babanzana kolo atelema banguna babanzana ekolo dele kolo telema ekolo dele Nous
Nous sommes le vestige de la civilisation passée. Car au commencement, nous étions avec toi et nous étions en toi. Quand tu as combattu Lucifer, nous étions avec toi et nous étions en toi. Nous avions résisté. Nous sommes les résistants. On a rejeté la séduction de Lucifer. On n'était pas tombé dans sa séduction. Nous sommes les rescapés. Nous sommes les résistants. Nous sommes ceux qui ont vécu. C'est pour cela maintenant, tu es avec nous et tu es en nous. Ce qui était, c'est ce qui se passe maintenant. Oh Père, la Bible nous dit, en ce temps-là, s'élèvera Michael, le défenseur du peuple de Dieu. Il combattra pour chaque nom qui se trouve dans le livre de vie de l'agneau. Il se bat pour nous. Nos noms sont dans le livre. Nos noms sont dans le livre. Nous ne serons pas séduits parce que Michael est de notre côté. Michael combat pour nous et nous aurons la victoire. Toi. Et ce soir, Michael est ici. Que celui qui est venu avec le fardeau, tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Celui qui était malade, tu as déjà été guéri. Et je te prononce, guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Libre. Toi qui ne sentais plus l'onction, l'Esprit de Dieu est en train de couvrir la semence. Que l'onction des doigts de Dieu tombe sur toi. Ce soir, reçois-le. Sois restauré. Sois rétabli. Recevez l'onction de Dieu. Recevez sa puissance. Soyez renouvelés. Oh, hallelujah. Merci Jésus pour ta présence ce soir. Bénis ton serviteur, Freddy, que tu as utilisé pour nous rappeler que nous sommes les résistants. Les résistants. Nous sommes les rescapés. Nous sommes ceux de la civilisation passée. Ce que nous sommes, c'est ce qu'on était. Merci. Toi qui n'avais plus la fraîcheur de Dieu, tu peux le recevoir ce soir. Au nom de Jésus-Christ. La fraîcheur de Dieu descend sur toi. Bala est ta vie. Bala est ton âme. Bala est ta maison. Bala est ton foyer. Bala est tes enfants. Bala est ton mari. Bala est toutes choses. Soyez remplis. Soyez re-remplis. Soyez ressuscités. Soyez réhabilités. Merci pour les guérisons. Merci pour les baptêmes. Merci pour les remplissages. Merci pour les bénédictions. Merci. Merci Seigneur. Merci. Bénis les 10 ménages offrandes qui seront récoltés maintenant. Bénis le frère Giste qui a interprété. Et bénis toute l'église qui a reçu la parole avec joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, quelqu'un a pu se crier un amen. Je vais écouter un amen des résistants. Je vais écouter un amen des résistants. Nous avons résisté. On a résisté au diable au ciel. Avant la fondation du monde. Et on l'a vaincu. Le ciel n'est plus sa place. Mais nous sommes venus du ciel. Nous retournons au ciel. Amen. Hallelujah. Amen.
Nous sommes le vestige de la civilisation passée.